Bonjour, je suis heureux de retourner chez vous encore une fois pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire du gésier de poulet, mais concocté d'une autre façon. Ce ne sera pas de la façon dont nos mères, nos tantes, nos grand-mères ont l'habitude de préparer pour nous cette partie du poulet que nous affectionnons beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va faire une nouvelle expérience avec le gésier de poulet. Je vais vous présenter rapidement les ingrédients que nous allons utiliser pour réaliser ce plat. Mais avant, je veux saluer tous les abonnés de cette chaîne. Comme on l'avait dit la dernière fois, on a atteint le palier des 200 000 abonnés et je vous remercie. Je vous dis 200 000 fois merci pour votre fidélité et nous allons continuer à vous servir, à vous présenter de bonnes et de succulentes recettes. Alors, je salue aussi les membres de la chaîne, ceux-là qui paient un membership parce qu'ils ont cliqué sur le bouton Join qui est en dessous de la vidéo et ils ont choisi un plan de support et fait tous les mois, ils envoient de l'argent pour la chaîne pour nous aider à perdurer cette belle aventure avec les mets, avec la nourriture, avec les recettes haïtiennes et les recettes venues d'ailleurs aussi. Ok, aujourd'hui je n'ai pas de goûteur ou de goûteuse, c'est moi qui serai le goûteur de ce que je vais réaliser. Et je suis certain, ce sera bon. Alors, tout de suite, on vous présente les ingrédients que nous aurons besoin pour réaliser cette recette. A tout de suite. Bon, oui, je prenais mon smoothie. Et comme petit déjeuner, je prends un smoothie presque tous les matins. Et celui-là, c'est un smoothie avec... que j'ai déjà présenté sur la chaîne, il y a du beurre d'arachide, figue banane, avoine, lait d'amande, voilà, et puis c'est tout. Ah, mais j'ai mis aussi de la protéine, une protéine en poudre que j'utilise pour m'aider à avoir mes muscles plus rapidement aussi. Donc, alors, si ça vous chante de boire un smoothie comme ça, vous allez trouver sur la chaîne. Regardons les éléments que nous allons utiliser pour faire cette recette. Ces ingrédients, nous allons utiliser pour nous préparer gésier de poulet l'autre façon. Hein? Là, nous avons environ 62 grammes de gésier de poulet. Là, nous avons 3 feuilles laitues romaines, mais c'est pour le décor. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin pour voir comment on va préparer le dressage. Là, on a des tomates cerises. Toujours pour le décor, pour le dressage. Et là, on a des piments thaï ou des piments oiseaux haïtiens. Je n'ai pas retrouvé l'exact matériel pour faire ce que je vais faire. Je vais utiliser des baguettes qu'on m'a donné dans un restaurant chinois, mais des baguettes réutilisables. Et deux petites baguettes encore plus pointues que je vais utiliser pour compléter la mise en place. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin. Alors, ces épices, c'est pour la marinade. Là, on a d'abord de l'ail en pâte. On a là une cuillère
à café de paprika fumé, une cuillère à café de gingembre en poudre. On a une demi-cuillère à café de piment cayenne et puis une cuillère à café d'oignon en poudre. Là, on a l'équivalent de deux citrons pressés, le jus de deux citrons. Là, on a du Oyster sauce, c'est de la sauce d'huître. Là, on a du sirop d'érable. Mais si vous n'avez pas de sirop d'érable, vous pouvez toujours le remplacer par du miel. Là, on a de l'huile en spray. Là, on a de la sauce soja, soy sauce. Mais cette sauce soja a de l'ail, c'est de garlic sauce sauce. Mais si vous pas gagné, on peut toujours utiliser soy sauce ou ordinairement. Et puis, à côté de soy sauce là, nous gagnons oregano. On a besoin de l'huile d'olive. Et puis, sel Himalaya, sel rosa. Déjà, on va utiliser sel de mer là encore parce que une étude a prouvé que dans le sel de mer, il y a des microplastiques. Et le sel d'Himalaya, le sel rose, n'en a pas. Il paraît. Donc, désormais, c'est ce sel que j'utilise. Et puis, l'appareil Mira qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un air fryer de la marque Chefman, qui est super intéressant, hein, assez grand. Et je mettrai dans la description le lien si vous voulez commander cet appareil. Et puis voilà. C'est l'ensemble des matériels et ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui pour réaliser cette recette de gésier de poulet, mais d'une autre façon. Restez branchés. On va commencer par préparer la marinade pour notre gésier de poulet. OK? Eh ben, on commence par verser dans un saladier le jus de citron. On va ajouter une généreuse cuillère d'huile d'olive. Mettons deux. Une cuillère de sauce de soja à l'ail. Mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser la sauce de soja ordinaire qu'on vend partout dans les supermarchés. Là, maintenant, c'est la sauce d'huître, oyster sauce. On va mettre une demi-cuillère. Cette sauce est assez salée. On va mettre une cuillère aussi de sirop d'érable. Mais vous pouvez toujours remplacer par du miel. De la cassonade, du sucre brun. On va mettre quelques brins d'oregano, de feuilles d'origan séchées. Ensuite, on va ajouter les épices sèches qu'on avait et puis l'ail en pâte. Ça, c'est le paprika et le gingembre en poudre. Le piment cayenne et puis l'oignon en poudre. Et puis, on va mélanger tout ça à l'aide d'un fouet. Voilà. On va voir. On peut toujours ajouter un peu de sel. Ça manque encore du sel.
Là, maintenant, ça va. Eh bien, on va juste ajouter qu'on y a. Nos gésiers. On mélange. Magnate, c'est super intéressant. Il y a un salé, il y a un sucré. Et comme si vous voulez, combinaison ça, vraiment, bail. Et à bail, viande, super bon goût. Ok, alors, bon élément de blé présenté, nous, c'est des ziplogs. Ok, on va mettre nos gésiers dans dans deux sachets. Bon, comme bon, moi, j'ai des petits sachets. Je vais partir dans deux sachets nos gésiers poulet. On sachet à point lui. Allons voir. Peut-être que un seul ziplog suffira. Ouais. Ça suffit. Ok, et puis Kounia, on va ajouter la dinde, toute marinade là. Et puis nous femelles. Ok. On va assurer nous que Magna de la repartie dans toute course à chair et ziplog là. Et puis voilà. Ok. Là, ziplog ça avec qui gagne un gésier mariné à là. Nous allons le mettre dans le frigidaire. L'idéal, ce serait de laisser ça pendant 4 heures dans le frigo. Ok? Ce serait l'idéal. Mais, comme nous avons pressé là, l'apprécier à 30 minutes. Nous allons mettre dans le frigidaire pour 30 minutes, quitter là bien reposé la dedans dans la marinette là, pendant 30 minutes dans le frigidaire. Ok? À tout de suite. Mais, nous allons tourner là pour nous commencer à préparer d'autres éléments que nous avons besoin là. On va attendre 30 minutes. Mais, l'idéal, ce serait de laisser ça pendant 4 heures. Mariner pendant 4 heures dans le frigo. Ok. Pendant gésier poulet nous a mariné dans le réfrigérateur, nous pourrons le découper piment oiseau ça. Ok. Que on va utiliser plus pour décor. Ok. Couper en diagonale comme ça. Mais décor ou pas, moi-même. Il y a privé dans le bouchon quand même. Parce que moi, j'adore le piment. Comme tout bon haïtien, on adore les plats chauds. Ok. On réserve. Ça va à la poubelle. Nos feuilles de laitue romaine, on a juste coupé pointu là. Comme ça là. Il y a un avion qui passe sur ma tête. Tenez bouillard. Ça, on a coupé l'en deux comme ça.
deux comme ça. On réserve notre tomate rouge, notre petite eau comme ça. Ok. Bon. Et bien là, nous allons patienter. Tant 30 minutes là, fini. Arriver là. Et puis, pour nous passer à l'autre phase dans la recette noire. A tout de suite. Ok. 30 minutes là, bien écoulé là. D'économétrie. Ok. Donc, bon, c'est nos gésiers. On bien mariné. Ok, on va le passer en l'autre opération qu'on y a là. Ok, alors on va cuire nos gésiers dans le la friteuse à air, le air fryer, mais on va le voir ça comment on va le posséder. Ok, ça c'est baguette chinoise, manger là. Ok, on va utiliser ça, yo, pour me passer trou dans gésier parce que baguette chinoise pas pointu assez. Ok, et puis on fourre en premier. Bon, on finit fouiller tout dans l'autre avant. Ok. Deuxième. Ok. Bon, on va se mettre ici assez là. J'avais percé celui-là. Là. Ok, c'est suffisant pour la première baguette. Mais une petite dernière pour la route. Voilà. Ok. Eh bien, c'est pour ça que je vais le faire pour trois autres baguettes qui étaient là. Ok? À tout de suite. Ok? Voici nos brochettes de gésier. Ok? Je finis bien ranger là. Je vais faire un petit morceau de pitié. Mettez une petite baguette qui est là. Ok? Eh bien, avant de commencer, ça va faire un spray. Alors, ça, c'est un spray l'huile qui fait l'huile canola. Ok? Je vais spray. Bouchette yo. Bon, va gagner spray ou quand juste oui, de type huile végétale jolie. Ok. Ok, maintenant je vais les placer dans le panier de la friteuse. Comme ça là. Voilà, comme ça, et puis voilà. Et puis, et on a la fire là. On lui met, il est parti à 400 degrés là pour ça. Et puis, juste que pour le bouton ça là, je dis, la prend 20 minutes pour que j'en devienne ça. C'est 20 minutes la prend pour le bien cuit. Ok, à mi-cuisson, la juste vini pour nous virer. C'est-à-dire, la lui fait sous 10 minutes. Ouvrir un fryer pour le virer. Ok? 400 degrés Fahrenheit. C'est pas 400 degrés Celsius. Ouvrez le bouton pour ça. Et puis c'est parti. Ok? Maintenant, c'est la machine qui va faire le reste. À tout à l'heure. Ok? Nous arrivons. Ils sont arrivés à mi-parcours là. Ok? La sortie. Appétissant. Ah, si tu regardes la barre, mais tu retires. Voilà, tu prends moins de temps pour cuire. Ok, qu'on a un app viril. Ok, virer chaque mouchette.
Ok. On a balancé l'huile encore. Et puis, ça retourne dans le fryer. Je vais vous faire mes potes là, continuer. Ouais, allez, vous faire encore. Ok. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous voulez gagner, il y a un chef man, un gros fryer, un fryer pour ça. Donc, cliquez sur le lien pour acheter. Je vais saluer Suze Magdala Saint-Fleur, qui est une très ancienne abonnée de la chaîne, qui toujours partage les vidéos. Donc, je salue Suze. Ok, à tout à l'heure, nous sommes presque bons là. Ok, FAI a fait dim là, cuisson fini. Ok, mais entre-temps, nous allons commencer le dressage là. Ok. Alors, pour faire le dressage là, on va utiliser nos feuilles de laitue. Ok. On va diviser les feuilles de laitue en deux comme ça. Tomate là, on nettoyer branche tomate là pour faire le plus intéressant toujours. Ok, couper branche ça là, on quitte le seul bord. Ok, ok, nettoyer là. Et n'oubliez pas, hein, mange aussi avec les yeux. Donc, il faut veiller à l'esthétique là dans le fait de dressage. On va mettre ça là comme ça. Bon, toi, tu n'as pas de tomate. On vire cette petite branche. Voilà. Comme ça. Le pimentail, on va mettre dans l'autre extrémité là. On fait équilibre avec. Tomate là qui n'a une extrémité. On va récupérer nos brochettes de ça sent bon comme tout. Ok, mais avant d'oublier de présenter un petit élément, ça c'est des graines de sésame. Ok, que vous mettez sur feuille de laitue comme ça, ça va faire un peu de contraste entre le vert et le noir. Ensuite, nous disposer brochette de zizier noyo comme ça là. Voilà, c'est déjà trop joli. Et puis, piment, zoazon découpé. Et puis, un petit maillot là, comme ça, du part et d'autre, comme ça. Bat pour nous essayer de gagner quelques petits morceaux de camp, et tes sous. Hein, ce morceau vient mieux. Ça fera très joli. Et voilà notre très belle assiette. Bon, ça va le goûter tout de suite. Même c'est croustillant, c'est bon, c'est bien épicé. On va passer à la présentation officielle maintenant du plat.
ça, il est tellement belle, ma gagaille. Non, mais la présentation est super, super jolie. Ça fait joli, ça donne envie de manger. Vous voyez le contraste du vert, du rouge et de la viande dans l'assiette. Donc, la présentation déjà met l'eau à la bouche. Donc, j'ai fait la présentation devant la caméra. Donc, si vous voulez, vous pouvez reproduire la même présentation, le même dressage pour séduire votre mari, votre femme, votre petit copain, votre petite copine ou vos convives avec un plat comme ça. Et c'est gastronomique. Hein? C'est un plat qui vaut plusieures dizaines de dollars. Voilà, je vais goûter. Hein? Je vais goûter à nouveau. Hein? Pour vous donner mes impressions. Ok, comme son bouchette. Cabine de la bouche, directement comme ça. Déjà, le bon zizia, c'est une viande qui a un petit aspect caoutchouteux. C'est vraiment bon. Et puis déjà, il croustille, hein, mais tout lit. Donc, c'est une merveille dans la bouche. Et puis, c'est bien épicé. Juste imaginez, si vous quittez le 4 de temps, et puis ça a bien dormi en train de zizia ça, c'est à mon merveille. Déjà, j'ai ton petit piquet de côté. Un petit piquet de zoyon. Vous voyez, par exemple, pour nous, on m'a aimé le zizi. Changer un peu. Pas juste pour un zizia, mais le casserole, les guifouilles, bien faire sur sa belle. Essayez une nouvelle méthode, ça, une bonne nouvelle. Ok? Alors, ça, j'ai une autre fois encore. Suze Magdala Saint-Fleur, qui sont gros abonnés chaîne, qui toujours partagent les vidéos. Absolument tout le monde qui fait ça. Comprenez? Mettez dans les commentaires le monde qui fait ça pour me saluer nous. Comprenez? Et pour saluer particulièrement Mam Chenyo, Naomi, Caroline Ostiné et tout le monde qui prend abonnement, Pierre Jameson Chéri, qui te font camper, mais qui retourne là, comme Mam Chenna. Si vous avez besoin de Mam Chenna, vous pouvez cliquer sur le bouton Join ou bien rejoindre qui en bas vidéo et puis vous choisir un plan de support. Et puis, n'a chaleur autour dans la vidéo. D'un coup, zanis à vous. Merci en pile. Si vous aimez le travail là, likez-le, partagez. Commenter et puis chaîne Nap Gandhi à continuer à boire de belles recettes comme ça encore. À bientôt pour une autre recette. Même toutes quatre brochettes, ça va être le météo à terre là pour comme. Il y a toujours aller.